spectacle. Pourquoi ne pas écouter un petit peu de radio positive? Il y a des petits poussins qui font piout piout et le soleil qui lui. Il n'y a pas de guerre, pas de conflit, tout le monde est très gentil. Il n'y a pas de misère, non. Clinton il est pas dans la merde, non. Et au sujet de Pinochet, on n'a que de bons commentaires. Nous venons d'entendre un groupe qui refuse de voir le négatif et qui ne chante que le positif. Le groupe Charlie et ses œillères et son album Quel joli monde, qui fait une superbe suite au précédent Pas de bouchon sur le périph' le vendredi, qui incluait d'ailleurs le succès souvenir Aucune mouche sur le visage de cet Éthiopien non affamé. Et le premier album du groupe, On ne fabrique pas d'électronique en Asie, s'est très bien vendu. Voici maintenant à Radio Tise Oiseau le moment de notre quiz. Voici le quiz Tise Oiseau. Allô ? Madame la poire de Neuilly ? Oui. Notre question aujourd'hui, qui a précédé Gerald Ford à la présidence des États-Unis ? Je répète, qui a précédé Gerald Ford à la présidence des... On a perdu notre participante. Et merde. Ils nous font un gagnant ? Ouais. Richard, qui a coupé la ligne ? Ouais, c'est moi. C'est une bonne réponse ! Bravo ! Bon, maintenant... Ah oui, nous avons reçu quelques lettres de reproche des gens qui se plaignent que nous n'accordons pas assez de temps aux artistes dans nos interviews. Eh bien, nous allons vous prouver le contraire. Nous recevrons tout de suite après cette pause Daniel Futile, qui nous parle de son nouvel album qu'on va d'ailleurs entendre. Vous écoutez Radio Tisoise. Robert ? Chut ! Pardon, merde. Vous écoutez Radio Tisoise. Hé, les filles ! Oh, je suis désolé, merde. Et voilà, c'est 11 degrés, il y a Thierry Doubi qui arrive dans un instant, et tel que promis, on écoute le nouvel album de Daniel Futile que nous avons ici en interview. Bonjour Daniel. Ouais, salut. Alors c'est ton album? C'est mon album. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est... Salut. Tu ne t'intéresses pas à moi.